toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série, cette nouvelle vidéo, ce nouveau live sur Tandem A Tale of Shadows, le nouveau scary game du vendredi soir. Qui va être normalement, ce sera pas un jeu d'horreur, jumpscare et tout comme on a déjà fait, mais plutôt un jeu à la Little Nightmare type plateforme, éventuellement un peu glauque, bizarroïde. Donc je dis bonjour à tous ceux qui sont déjà dans le live, et si vous regardez ça en VOD, bonjour la VOD. Donc qu'est-ce que Tandem A Tale of Shadows? Donc on va jouer la petite fille ici, Isabelle si je ne m'abuse, qui dans son monde a vu le fils des Kane, Dr. Kane, mystérieusement disparaître. La police ne trouve rien, personne ne sait ce qu'il est devenu, et elle, en tant que gamine de 10 ans, se dit « Waouh ! Je vais y aller et je vais le retrouver. » Parce que pourquoi pas, apparemment c'est normal dans le monde où elle vit. Et sur le chemin pour y aller, elle se fait doubler par une calèche qui laisse tomber à ses pieds un ours en peluche qui s'avère être vivant et qui se met à poursuivre la calèche. Elle poursuit donc l'ours. Et il se trouve que la calèche est justement dans le manoir des Kane. Que de coïncidence dans cette aventure, ça commence bien. Donc le scénario du coup, en gros c'est ça. Je sais absolument pas si derrière ça va se diversifier un peu ou si c'est what the fuck comme ça tout le temps. Mais en tout cas, c'est assez marrant dans le concept. On va se lancer sur le chapitre 1, donc on voit qu'on joue sur des chapitres. Vous allez voir que le jeu est assez intéressant, surtout dans son gameplay. On va pouvoir jouer simultanément Isabelle ou l'ours. Et ils ont une manière de jouer tous les deux assez différente et assez complémentaire. Donc j'ai fait déjà le premier chapitre pour apprendre un petit peu le truc, faire les premiers réglages, pas complètement débarquer dans le jeu. Mais je suis train de connaître tous les concepts. On est parti. What's going on here? Hey, what's the matter with you, Phantom? Stop that right now. You're scaring me. Oh my god, I don't like crowds at all. This overwhelming shadow lives in many things and seems to hide many more. And what is this crystal made for? La tête à l'envers dans les jardins. Ok, on va jouer comme ça en vue de dessus. En tout cas dans les premiers niveaux. Et on joue notre amie Isabelle. Et alors là où le gameplay va différer un peu des jeux de plateforme standard, c'est qu'on peut switch avec notre ami Fenton, qui a l'air totalement déprimé. Il me fait beaucoup penser au robot dans H2G2. Franchement, dans sa dégaine quoi. Il est totalement déprimé avec les petits bruits de jouets tout naze. Et comme vous pouvez le voir, il va pouvoir débloquer des éléments et se déplacer sur la carte. Ouais. Je sais même pas s'il peut mourir d'ailleurs, peut-être plus tard. Pour débloquer des choses pour Isabelle, tout simplement. Et Isabelle, de son côté, va, grâce à la petite lanterne qu'on vient juste de ramasser, pouvoir créer des ombres pour qu'ils se déplacent. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous voyez qu'on doit atteindre le cristal, mais on ne peut pas. Alors là, ils nous ont obligément mis un cercle dans lequel on peut aller, et vous voyez qu'on crée une ombre qui fait que Fenton va pouvoir marcher dessus. Toc. Et atteindre, du coup, des choses qui lui seraient normalement inaccessibles. Donc le premier chapitre, vraiment tuto très basique, hein. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, on va enchaîner sur le deuxième bien sûr. Une porte et un bouton. Je pense que toute la série des jardins, ça doit être le tuto. Alors, on peut ouvrir des trucs nous-mêmes, très bien. Oula, et ça a l'air sympa ce magnifique poisson géant là. Très très bien. Alors est-ce que l'objectif c'est de trouver les cristaux dans les zones, je ne sais pas. Donc ici, l'interrupteur est trop loin, on peut pas l'activer, il va falloir prendre Fenton, mais je pense que si je vais par là, je vais tenter, mais ouais, non, ça ne passe pas. Ah, d'accord. Il peut donc complètement se faire empaler par des ronces. C'est parfait. Alors,
super. À quoi ça m'avance de faire ça? Ah oui, ça fait une ombre. Ça fait une ombre là. Très très bien. D'accord, effectivement. Et en plus, ils ont mis des petits pointillés. Donc, comme ça, voilà. C'est juste, je ne les voyais même pas quoi. Et d'un coup, je peux marcher jusqu'au cristal. Ok, donc il semblerait que le concept va être de récupérer des cristaux dans les niveaux. Ok. À chaque clé, sa serrure. Donc on commence chaque niveau, a priori on peut l'ouvrir nous-mêmes, ce qui est plutôt pas mal, ça permet de prendre un petit peu de recul. Donc ici il y a une serrure, ici c'est ouvert par ce bouton-là. Et ça a l'air d'être globalement tout. Très bien. Ah. Bon déjà ça a pas l'air trop punitif au moins en début, c'est-à-dire que si on se rate, c'est pas grave quoi. Alors je pense que je dois peut-être pouvoir faire quelque chose en allant là. Ouais voilà. Il va vraiment falloir jouer avec les effets de lumière, ça va être sympathique je pense. Fenton est bloqué là. Ok, on chope une clé. Très très bien. Alors et du coup, si je me mets ici, il peut m'accompagner du coup. Alors faut pas que j'avance trop. Fenton est coincé dans l'ombre. Ah, d'accord, bon, je fais une ombre pendant qu'il est bloqué. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je le renvoie là. Ouais, mais du coup, est-ce que je peux... Oui, ouais, voilà, il ne traverse pas le truc. Il est bien bloqué. D'accord, bon, on va voir, hein. Peut-être que j'ai pas besoin de le faire passer. Hein. Ah bah si, voilà, non, mais oui, je peux juste faire ça en fait, très bien. Donc faut qu'il revienne ici, Fenton, reviens là Fenton mon ami. Et salut Soren, bienvenue sur les lives. Et merci d'être toujours présent pour les lives, ça fait bien plaisir. Et donc là, je vais lui faire une petite descente tout en douceur. Hop là. Un petit peu en retard, mais t'inquiète, on commence juste. On a fait, tu vois, 3 niveaux, dont le tuto, et pour l'instant c'est assez rapide. On est vraiment sur le début du jeu. Donc Tandem Tale of Shadows. J'en profite d'ailleurs pour me remercier les développeurs qui me l'ont offert. Hein. C'était très gentil de leur part, parce que c'est quand même un jeu assez recherché, je m'y attendais pas. Et ça fait bien plaisir. Oula, il y a des cubes qui s'enfuient quand je m'approche. Très bien. Au moins ils sont pas agressifs. Alors ici on a quoi? Des bonbons. Alors Fenton. Ok, ça c'est des trucs. Il faut rester dessus pour que ça reste actif. Mais là on est d'accord que je peux passer. Non, je ne peux pas passer. D'accord. Alors, continuons d'explorer, très bien. Ici on a le bon vieux truc à pousser. Classique. Donc ça, ça va. Par contre, comment faire pour en haut? Est-ce que je peux lui mettre d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je peux faire s'enfuir ces trucs-là? Non. Pas les faire s'enfuir, ils montent pas. Donc, je peux pas essayer de les envoyer à Fenton pour qu'il fasse des trucs avec. Non, mais je suis bête. Ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est ça. Hop. Et ensuite ça. Après tout, peu importe de rester coincé puisqu'on peut se débloquer après. Alors normalement, dans les trailers et autres, hein, comme je disais, c'est le Scary Game du vendredi, c'est censé être un jeu un peu à Little Nightmare, un peu glauque, bizarroïde. Pour l'instant, ça reste assez gentil.
Mais on va voir, normalement ça devrait évoluer vers quelque chose d'un peu moins, enfin d'un peu plus dynamique et flippant. Enfin flippant, pour pas s'en garder hein. Alors, autour de l'étang. Bon, les titres des chapitres sont des indices, c'est pas très surprenant. Alors, ok, ça m'a l'air d'être un truc qui genre me tuerait si je passe dessus, à l'instinct. Alors, est-ce que Isabelle, elle peut revenir? Non, je peux juste pas passer, en fait. Elle meurt pas. Par contre, le gros crapaud à droite m'a l'air d'être tout à fait une saloperie. Ah, ça peut pas avancer non plus. J'espérais que ça me permettrait de faire quelque chose. Ici on est bloqué par un bouton qui est là, qui lui-même est bloqué par ça, qui est désactivé. Ah, ici nous on peut activer un truc. Et ça c'est un bouton en off, hein. Ouais, c'est un bouton en off. Ah, et visiblement il faut que je l'amène jusqu'ici le truc. Et Fenton il est où? Ok, il sert à rien. D'ailleurs, comment vas-tu Soren ce soir? Parce que c'est vrai qu'on s'est vu mercredi, mais depuis... Je peux faire des ombres aussi avec ça, c'est intéressant. Peut-être que c'était ça qui bloquait Fenton. Ouais, c'est ça qui bloquait Fenton. Très bien, je pensais que le crapaud allait essayer de me choper. Alors du coup, si je l'avance, je dois pouvoir le faire venir. Voilà, sur le truc je pense. Zut, pas assez. Bah alors, ça bug là. Ouais, ça passe. Ah, il y a une pente est trop forte. Diantre. Quel feignant ce Fenton. Et donc là, je peux le porter. Ah non, faut que je sois sur une surface solide. Zut. Ça ne marche pas. Alors est-ce que je pourrais l'envoyer de l'autre côté? Mais en quoi ça m'avance? Après, je vois toujours pas comment on active ce truc. Alors je vais essayer de pousser le truc jusqu'au bout là. Mais visiblement ça ne fait rien. Alors si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas à me dire, hein, c'est aussi l'intérêt. Quelque chose que j'aurais raté ou que je pourrais éventuellement faire. Ce qui est bizarre, c'est que en général il y a un chemin qui nous dit il faut réussir à faire quelque chose, mais là pour l'instant c'est plutôt avare en chemin quoi. Ah merde. Et ça fait mal hein. Elle essaie de jouer avec la lumière qu'elle produit. Ouais, j'essaye, mais le truc c'est que je vois pas. Le seul endroit a priori où je peux aller c'est là et je vois pas l'intérêt. Enfin, je vais essayer, remarque. Ah, mais si, il y a des plateformes de l'autre côté. Nickel, c'est bon ça. Des choses que je peux pas voir tant que j'y suis pas. Et ben voilà. On avance. Parfait. Donc il fallait bien l'envoyer de l'autre côté. Donc des fois il faut se dire explore. Même si tu vois rien. Ah, donc par contre ça se referme, donc il faut que je remette mon petit machin. Allez, costaud hein. Déconne pas hein. Alors par contre c'est compliqué d'appuyer sur E et D en même temps. Hop là. Alors est-ce que je peux sortir? C'est la question, oui je peux sortir, c'est bon. Donc là j'ai la clé, je vais pouvoir ouvrir ici. Et du coup, alors c'est de ce côté-là qu'il y a la poignée, je vais pouvoir récupérer ça. Voilà, et donc là je vais pouvoir lui faire une petite ombre pour qu'il grimpe ou un truc du style. Allez Fenton, éblouis-nous. Yes. Ouais, ça devient déjà tricky. Feu rouge, très bien. Ah.
Oh, ce nœud géant qu'elle a dans le dos, quoi. On a donc plus de lumière. Mais on peut se mettre ici pour activer le lampadaire. Très bien. Et là, ça fait une ombre qui est pas assez forte, là. Ouais. Ça fait une ombre qui est pas assez forte, on est d'accord. Parce que deux lampadaires, ça le fait pas. Faut juste une seule ombre. Ah, c'est bien fait. Est-ce que je peux me faufiler par ici? Je peux me faufiler par ici. Ok. Alors, est-ce que si je fais genre ça et que j'active l'autre bouton, du coup, ça fait que ça l'éteint. Voilà, parfait. Alors là, je vais glisser. Ah, zut. Je saute plutôt. Ok. Mon angle n'est pas bon. Mon angle n'est pas bon. Il faut que l'ombre soit un peu plus équilibrée. Voilà, un truc comme ça, par exemple. C'est ça. C'est pas mal comme ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça me plaît. Faut que j'arrive à bien viser par contre. Alors c'est un jeu qui se joue à la manette hein, aussi. J'attendais de voir si c'était éventuellement jouable au clavier ou s'il fallait absolument une manette. C'est quand même plutôt bien au clavier. Je pense que la manette est effectivement pas un mal. Alors du coup, ça m'a permis d'activer ce truc là. Et ça me permet d'activer ça. Ok, donc là... Ah, il fait tout noir d'un coup. Donc là je vais pouvoir faire ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Par contre pour l'instant je vois pas du tout à quoi ça m'avance d'avoir activé cette, ce truc là. Ok, on peut passer là, parfait. Et après c'est trop loin. Très bien. Alors, niveau ombre, hein. Il y a un truc là-haut, un truc là. Une clé rouge, il y a un bouton là. Ah, alors est-ce que je peux faire une ombre qui serait suffisamment atteignable ? Oui. Ah, échec. Ne sois pas trop en confiance, Fenton. Tu as des petites jambes, mon cher. On retourne sur une surface solide. On va chercher notre clé. Et donc maintenant, il faut se démerder pour qu'il arrive là. Ça, ça me paraît pas mal. Yes. Ça va le son, c'est pas trop fort le son du jeu. Ça se fait bien. Les boissons. Notre lanterne est toujours morte. Alors Fenton est là. Ok. On va pouvoir faire des ombres croisées. Donc une ombre faible plus une ombre faible, ça fait une ombre forte. Là il peut pas y aller. Si, il peut y aller. Ok. Ouais, pour l'instant le jeu reste assez simple, je suis d'accord. Mais bon, je pense que vraiment le jardin, c'est vraiment le tuto, quoi. La toute première zone. Parce que normalement, il est censé y avoir ouais, voilà, des monstres, des boss, des trucs un petit peu plus... un peu plus tricky, quoi.
Alors je pense que Femton elle ne voit pas. Par contre, j'imagine que ça va pas faire plaisir s'il me tombe dessus en tant qu'Isabelle. Alors lui il bouge pas. Par contre il va me voir là. Mais il y a peut-être moyen là. Zut, t'es trop loin. Alors je vais où là? Ok. Dans la mort. Ça me paraît un petit peu loin là. Ouais, carrément. Alors, comment on pourrait faire? Je peux passer derrière, on va se la dire. Pas trop si c'est bien utile. D'accord, donc elle me déchiquette vraiment la tronche. Très bien. Parfait. Avec un petit bruit fort sympathique. Alors dans l'idée on pourrait essayer de la mener en face, mais je pense qu'elle va me voir là. Ouais, elle me voit complètement. Ah putain, puis elle va hyper vite en plus. Très très bien. Alors, comment on va faire ça? Je pensais que peut-être il pouvait monter sur cette caisse en fait, mais apparemment c'est pas le cas. Ah, je peux faire bouger ça. Ah bah voilà. Et faire coucou petite araignée, tu ne me vois plus. Alors du coup, est-ce qu'on a moyen? Ouais, juste avant là, c'était pas mal. Comme ça. Hello Brunator, bienvenue sur le live. Ah, t'arrives juste à point pour voir mon nounours se faire empaler par des ronces. Hop là. Yahoo! Les petits bruits de peluche qui font coin coin là. Comment vas-tu Brunator? Pas vu, pas pris. Brunator d'ailleurs, Brodaf hein, je pourrais dire. Alors on est où? On est là, on a toujours pas notre lanterne. On a Femton mais il est coincé. Il y a un train qui passe, très bien. Alors, j'imagine qu'il va falloir lui dégager le chemin, on va le mettre là pour l'instant. Je suis pas sûr que je puisse grimper, non, c'est trop haut. Et bah écoute, ça va pas trop mal, je dois dire. Je suis hyper content de pouvoir faire des lives toujours, donc... J'avais vraiment peur de pas pouvoir le faire dans ma nouvelle maison, et en fait ça passe, donc je suis vraiment content. Alors tant qu'on y est, on va l'envoyer plus haut. Voilà, jusque là, ça passe. Ah! Une vilaine araignée s'est déclenchée. Ah puis là, elle a un bon angle de vue en plus, la conne. En fait, il fallait absolument pas appuyer sur ce bouton. Ah si, il faut peut-être qu'il appuie sur ce bouton pour la désactiver. Ah c'est ça, faut que je reste dessus, que je passe. Voilà, et maintenant... Il peut venir. Hop, il peut aller là. Et on dirait qu'il y a une fosse sombre là. Le coin est pas si paumé hein, techniquement. C'est du côté de Nantes, hein, donc c'est pas non plus le fin fond de la Cambrousse. Mais ouais, il y a pas encore la fibre malheureusement et la 4G est assez merdique. On n'a pas encore tout à fait terminé de défaire les cartons, mais on est quand même bien installé, ouais. Ça commence à être bien. Ah, un petit cheval à bascule. Alors, ça me dit qu'il va falloir que je cours. Pourquoi pas, mais pour l'instant, je peux pas passer, donc... techniquement, je vois pas bien l'intérêt de courir. J'imagine que ça doit être pour me dire qu'il faut que je me faufile... Mais ça ne me sert à rien. Puisque le passage est là-bas de toute façon.
toi, pour l'instant, tu peux pas aller plus loin. Alors, si ce que je... Ouais, mais non, mais je peux pas de toute façon repasser parce que là, il y a l'araignée, donc elle va me choper. Donc je peux pas... essayer de renforcer cette ombre-là en cachant la lumière du bas. J'arrive pas à voir c'est quoi le truc qui fait... Pourquoi ça fait cling cling? Ah merde, putain, il m'a vu. Oh bah putain, j'ai réussi à lui échapper. Improbable. Ah si, effectivement, il y a un truc qui fait que je peux passer. D'accord. Ça fait quoi en fait? Parce qu'il y a les trucs du centre là qui s'activent. D'accord, ok. Alors c'est basé sur quoi? Il y a un timer ou un truc? C'est quand elle passe dessus peut-être? Oui, c'est l'araignée qui passe dessus, d'accord, ok. Elle va une fois en haut, une fois en bas, et quand elle passe dessus, ça l'active. Ouais, bien vu, Soren, t'es plus rapide que moi sur ce genre de jeu, je crois. Ok, là on a notre petit machin qu'on va pouvoir pousser. Pour faire quoi? Pour se protéger de l'araignée peut-être? Ah, pour faire un... Ouais, un relais, c'est beaucoup trop long un relais là. Fumer la moquette là. Merde! Ah! Elle veut là, elle m'a vu. Bon, ok, on va se mettre un petit peu plus tranquille en allant la désactiver. On va regarder un peu nos possibilités. Du coup, je pourrais me dire, si je le fous genre là, comment ça la bloque là? Ça la bloque vite fait quoi. Et là j'ai pas moyen de me dire pof pof, je vais aller plus haut. Puisque de toute façon le plus haut que je peux aller c'est ici. Ah si j'arrive à le mettre là, ouais c'est pas mal là peut-être. Merde. Ah ah. Échec critique. La mort du nounours. Hop, donc du coup je le fais remonter là. Voilà. Hop, tu vas là, après j'avance encore, comme ça, ça lui fait un relais, je peux aller plus loin, est-ce que la pente n'est pas trop forte? Non, la pente n'est pas trop forte. GG! Je me dis qu'il pleure parce que j'ai tué le nounours. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Suis-je un monstre? À gauche, il y a la clé qui avance à chaque fois qu'on récupère un cristal. Là. Alors, une ou deux cages. Alors là, il y a un truc. Ah, on peut passer dans les toiles d'araignée, mais on est hyper ralenti. Il y a une lanterne, mais d'abord, je vais aller voir un peu ce qui se passe là. Ok, on peut faire le tour sans être ralenti. Très bien, je peux bien sûr devoir l'utilité, mais admettons. Alors, toi, qu'est-ce que ça fait si tu fais ce truc? Sonner. Ah, sa mère! Ah! Merci, Femton. GG, quoi. D'accord, donc on peut complètement faire venir une araignée. J'imagine que ça a un intérêt. On va essayer. Ah, et puis là, il est coincé dans l'ombre, quoi. Faut que j'aille là. Haha! T'as l'air maligne maintenant. Donc, on est un petit peu plus tranquille. Donc, on peut aller par là. Grâce à Femton. Encore que, est-ce qu'il est pas coincé dans l'ombre? Non, c'est bon. Il est pas coincé dans l'ombre. On peut aller par ici, allons-y, par ici, hop, on active le bouton. Il
faut jamais contrarier la démon. C'est vrai. Ah, encore une araignée ici. J'ai pas été voir s'il y avait un truc derrière la première araignée qu'on a débloquée. Je pense que non, mais dans le doute. Il y a peut-être des secrets ou des trucs à débloquer de ci, de là. C'est le genre de jeu hein, avec des succès planqués et tout, mais apparemment non, il n'y a rien pour l'instant. Si tu savais tout ce qu'a fait la démon quand on la contrarie. Des choses qu'on dit pas, hein, on est obligé de rester discret, mais... Alors, ok, ici ça l'enferme. Par contre, ça me bloque aussi. Le truc qui verrouille la porte là... Donc il va falloir que je fasse sonner et que je l'enferme probablement. Essayons ça. Je peux pas l'enfermer. Donc faut juste que je la fasse sortir. Le temps d'aller je sais pas où du coup. Ok, si on tourne dans ce côté-là, c'est parfait. C'est trop long. Bordel. J'aurais dû descendre. Ouais, faut que je l'enferme dès que possible, quoi. Donc ici, ça l'enferme. Ici, je l'appelle. Moi, j'avance doucement, je me mets dans le coin là. Ah merde, elle m'a vu en se retournant, putain. Aïe, aïe, aïe. Drame. Alors, une fois de temps en temps, elle se retourne dans un sens et une fois dans l'autre aussi. Hein. C'est pas facile du coup. Et tout à l'heure, elle s'est retournée dans l'autre sens, quoi. Et là, si je me mets sur cet interrupteur-là, en fait, je bloque l'araignée. Le problème, c'est que je me bloque moi aussi. C'est ça le truc. Donc je pense qu'il faut que je la tire dehors, que j'en profite pour me faufiler, et après, dès qu'elle remonte, je la bloque de nouveau dans son truc, quoi. Pour pouvoir me déplacer dans la salle. Le problème, c'est qu'il suffit qu'elle se retourne pas du bon côté, et puis c'est mort, quoi. Et voilà, elle se retourne du mauvais côté, donc elle balaye la zone, donc il faut que je sois dans son dos absolument. A priori, elle se tourne de ce côté-là. Donc nous, on va essayer de rester derrière elle. Ah non, elle me voit. Elle me voit, elle me voit. Ok, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Réfléchissons. Donc là, ça bloque le truc, mais ça, c'est qu'un détail. Elle se retourne toujours du même côté du coup. Pourtant le premier coup elle s'est tournée du mauvais côté. Sonne et remets-toi sur l'interrupteur. Alors là tu vois je peux pas bouger hein. Quand je sonne je peux pas bouger tout de suite, il est suspendu au truc là. Et là si je me remets sur l'interrupteur de toute façon ça la bloque mais ça me rebloque moi aussi. Essaie de passer quand elle remonte une fois que le cône t'a dépassé. C'est vrai, je suis pas obligé de me précipiter, je peux essayer de me faufiler une fois qu'elle remonte, ouais, t'as raison. Et donc là, en speed, hop là. Ah, bien joué. Ça a l'air pertinent. Du coup, je vais me coller là, en espérant qu'elle me voit pas. Je suis hors de son angle de vue. Je suis absolument pas hors de son angle de vue. Et je suis hyper lent. Ouais, effectivement, elle voit tout là-bas. Alors, est-ce qu'il y a un angle mort dans cette salle ? Oh, y a aucun angle mort, quoi. C'est tendu du string, hein. C'est tendu du string. Bon, je pense qu'on avait la première étape bien, donc on va la refaire. Je sonne. Je me fous dans un petit angle mort. Et dès qu'elle se retourne, je passe. Et je saute. Voilà. Donc là, elle est coincée. Maintenant, comment je peux faire pour qu'elle ne me voit pas? Parce que c'est quand même tendu là. Hein.
Ici, je pense qu'elle va me voir aussi. Ouais, on voit... Je peux montrer avec la souris, mais on voit à peu près jusqu'où va son... Il y a un rayon rouge, là, qui donne le maximum qu'elle voit, et... Je pense qu'elle me voit, là. Alors, ou alors, il faut que je sois vraiment super rapide, mais... Ah ! Ouais, ça peut passer. Ça peut passer. Je dis pas non. Il y a peut-être moyen. Alors on attend qu'elle remonte. Hop, on se faufile. On la coince. Ouais, parce que quand je suis dans la toile, je suis vraiment hyper lente. Hein. Donc là, je me pousse. J'avance. Et je la rebloque. Ouh, c'était tendu. C'était tendu. Donc là, je peux ouvrir et je peux passer par là et par là et ça va hyper loin et j'arrive dans une salle toute pourrie avec une araignée de l'autre côté de la porte. Très très bien. Du coup, on va faire comme si on n'avait pas envie d'y aller. Ah oui, putain, du coup, vu que je suis plus là pour l'éclairer, Fenton, il est comme un con. J'ai l'impression que c'était la porte de cette araignée-là. Non, c'est pas la porte de cette araignée-là. Hein. On va voir si je la débloque, que je la laisse y aller. Et après, je la rebloque. On va aller voir si j'arrive dans son dos ou pas. Ouais, j'arrive dans sa salle par derrière, en fait. En fait, je pouvais me faufiler par là, peut-être. C'était peut-être ça l'astuce. La faire sortir et me précipiter dans sa pièce pour passer. Ah, donc il y a potentiellement des chemins cachés comme ça pour faciliter la vie. Bah, c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Alors Fenton, qu'est-ce que tu nous fais de beau ? Nous permet de faire ça. Hop, on passe. Alors là, il y a une araignée mais qui visiblement a une vue un peu de merde. Ce que je vais pas m'en plaindre. Surtout que j'ai le cristal là, du coup, je vois pas l'intérêt. Première vue. Ah non, parce que du coup, je peux pas. Si je peux le faire descendre comme ça. Je peux aller sonner là. Non, ouais, c'est nul ça. C'est tout nul ça. Reviens, Fenton. Je vais te faire un chemin pour aller là-bas. Et salut Squash Belge, bienvenue sur Relive, comment vas-tu ce soir? Merci d'être des nôtres. Alors, si je sonne là, est-ce qu'elle se jette sur moi? Ok, elle s'est retournée. On va se faufiler un peu comme une brute, voilà. Ok, elle revient. Elle nous voit pas, c'est parfait. À quoi cela m'avance-t-il donc? Je peux aller par là. Ah, et je peux faire une ombre ici, d'accord. Et donc là, il peut descendre. Et ramasser le cristal. Sacred Fire, non ça ne me dit rien Squash. En ce moment malheureusement j'ai pas trop de temps de jouer en dehors des lives. Donc j'ai pas eu l'occasion même de regarder le jeu que tu m'as donné la dernière fois. J'ai regardé juste la description. On a bientôt terminé les jardins. Mais je vais quand même arrêter la VOD là parce que l'épisode est déjà très long. Donc si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. J'espère que ce premier épisode un peu découverte vous a plu. Et on va bien sûr continuer notre aventure tout de suite après. Ciao ciao.